sur McDo, petite fée, de me mettre à balancer devant tout le monde. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Ben écoutez, moi ça va, bien reposé. Franchement, bien reposé. Ah ouais. J'aime trop rester à la maison, à rien foutre, à traîner au lit en pyjama devant ma série. C'est la vérité, les réseaux, moi, j'arrive à un stade où ça y est, je supporte plus. Et par Allah, quand je vous dis ça, c'est que je me déconnecte. Ça veut dire que je ne vais ni sur TikTok, ni sur Insta, ni sur Snapchat. Je m'en fous, en fait. Voilà. Je prends mon téléphone, je le jette. Et je suis concentrée dans ma série parce que voilà, ça, je m'évade, en fait. Hier, j'ai bien travaillé, j'ai bien avancé. Je suis très contente. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas encore par quoi. Je vais sortir, je suis restée toute la journée dans la maison. Je vais sortir, ça va me faire du bien. Elle doit acheter un parc pour sa fille. Et en même temps, on regardera ce qu'on va faire. Ah, ce sérum, il est magique. Voilà. Bref, il est trop, trop bien, ce sérum. En vrai, ouais, c'est ton lit. Chutain de merde. Là, j'ai terminé Power. Et là, je suis en train de taper de... Parce qu'il y a la suite avec Tommy. Ça s'appelle Power Book. Ouais. La suite. Parce que la suite, il n'y a pas Ghost dedans. Il n'y a que Tommy. Je ne vous spoil pas pour ceux qui n'ont pas vu encore cette fois. Parce que sinon, je serais encore là en train de traîner au lit. Je dors plus, moi. De regarder la série, je vais m'endormir, le soir je vais pas dormir, j'ai encore, non, je dors. De regarder, je me suis dit tu vas te lever, tu vas passer ta journée, bon toi là, très sèche, qui dit lèvres très très sèche, je dis exfoliant et gommage des lèvres. Là j'ai envie de partir en vacances, hein. Là j'ai envie de partir en fait. Voilà. Faut que je me casse, dommage. Même qu'on s'occupe bien de moi. Je me cueillis à la maison, mais quand tu vas même, c'est pas la même chose. Voyez. Mais là, j'ai envie de rien faire en fait, qu'on me cueillisse. C'était incroyable. Moi, j'ai fait des tournes d'eau, des steaks hachés, avec avec les poivrons, un peu de mayonnaise comme ça, le meutlo. Je me suis cassé le ventre, j'avais aubergine à l'huile d'olive avec l'ail et tout, j'aime trop. Simple. La recette, elle est très très simple. Voilà, là, mes lèvres, je les sens bien là. Fait. Voilà. Ah, même bon sérum, mais bon, la vérité, le sérum, je peux pas m'en passer. J'avais une croûte en fait que j'avais arrachée, ça m'a fait un gros trou, j'avais perdu tous mes poils de devant. Voilà, maintenant, ça a bien repoussé. Vous voyez, j'avais un gros trou là. Là, ça a repoussé et... Je vous montre là. Vous avez vu ma peau comme elle est plus forte. Vous avez vu ma peau comme elle est nickel là. Elle est trop trop bien. Vous savez quoi, j'aime trop me coiffer avec le chignon. Bon, pour ceux qui me suivent, ça fait longtemps, vous savez que j'aime trop. Et là, depuis que j'ai les cheveux courts, j'arrive plus trop. Mais là, ils ont bien poussé. J'aime bien faire le chignon un peu. Là, je m'en fous. Vous savez que quand je me regarde là sur Snap, ben, ça ne donne pas pareil que quand je me regarde en vrai. Voilà, quand je vais prendre mon téléphone et que je vais retourner l'appareil, regardez. Vous avez vu? Je sais pas. Alors, Tiberi, ne cherchez pas. D'ailleurs, il est assez souvent en rupture de stock. Quand on se regarde face, on n'aime pas notre tête. Mais en vrai, on aime bien notre tête. Sur le nez, j'aime trop. Je ne sais pas combien de blush j'ai acheté. Même le Yves Saint Laurent, là, je l'ai acheté. Moi, je vais le mettre. Il fait coup de soleil.
Même pas je le mets là, je suis très faible. Très... Il n'y a pas en fait à acheter, à ne pas utiliser en fait. De poudre matifiant sur sous les yeux. Regardez. Je vous ai dit, ça donne pas pareil. Voilà, je vous ai mis les screens de tout ce que j'utilise. Effet injection immédiat pour le pack lèvres rouges. Mettez-le, regardez si le code il est actif. Je vous montre ce que j'ai mis. Donc, j'ai mis mon petit t-shirt Notorious B.I.G. J'avais acheté en Belgique dans une boutique vintage. J'aime trop. Et je vais avec. J'aime trop. T'aimes pas, ben tant pis. Moi. Je me suis arrêtée à Cuic là vite fait. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'ai une envie folle dingue de Giant. Après la vérité, le burger, c'est une dinguerie. On va parler peu, on va parler bien. J'ai descendu à 54 kilos. 54 kilos, vous imaginez 54 kilos, c'est très grave. Il n'y a pas à faire 54 kilos. Quand je regardais mes mémories, j'étais bien en chair quand même. Et là... En vrai, il faut que je trouve un piston à cuic. Je récupère toutes les sauces géantes. Bon. Vous avez vu cette sauce Giant? C'est ça qui fait la différence dans le burger. Pas. Il n'y a pas à être aussi bon comme ça. Maïva, à la tienne. C'est ça. C'est Mimi. Garde-toi, garde-toi. Vas-y. Bon changement de voiture, regardez avec qui je suis. Bonjour. J'ai déjà fait. Aujourd'hui, repas en famille. Mais regardez où elle m'a ramené, s'il vous plaît. Moi, je meurs. Elle est trop belle. Des fois, les garçons sont mieux que les filles. Ouais, mais j'en ai deux. Ah, moi, ouais. Je veux une fille, moi. Je veux qu'elle meure. Je veux l'habiller pareil que moi. Tu vois? Ah ouais, je te vois bientôt en plus. Ah, j'aurais aimé avoir. Comme ça et tout. Non, mais tu pas moi. Mais moi, donne-moi juste une fille, je te montre, moi. Je vous jure que ça m'a donné envie d'avoir un troisième enfant, une fille. Inch'Allah. Une fille. Je peux pas. Demande à Dieu. À 42 ans, mais jamais de la vie. Demande à Dieu. Trop faible. Je peux pas, c'est possible. Trop faible, trop fatigué. Retourner dans les couches, les biberons. Ramène-le chez le pédiatre. Le pédiatre. Mais jamais de la vie. La vérité, c'est pas chiant. Ça dépend le petit combat. Non, c'est chiant. Non, moi, quand il y a un lac, c'est pas chiant. Moi, je les ai eu d'affilée, tu le sais? Mais moi, je suis partie en Algérie avec. Je suis partie deux fois en Algérie avec. Au Maroc, j'ai voyagé déjà à 10 mois. Ouais, mais j'aurais pas de patience. J'ai oublié ce que c'était. Je pense que c'est le feu. Le matin, quand tu as eu le calais le matin? Ouais, maman. Moi, je peux pas, moi. C'est le feu. Mais quand ça pleure, je peux pas. Tu sais quoi, je pourrais pas. Non, mais parce que ben, aujourd'hui, dès que j'entends les pleurs des bébés, je peux pas. Non, mais tu as des bébés qui pleurent pas, moi. Camila, elle pleure pas. Sans faire. Camila, voilà, c'est. Si j'aurais eu elle en premier, j'aurais fait 10 derrière elle. Camila, moi, elle pleure pas. Elle démonte pas, moi, je l'entends pour que. Elle pleure même pas pour son biberon le matin, c'est bon. Elle suce le pouce comme ça, elle me regarde. Mais 42 ans, moi, tu me vois aller faire un enfant à 42 ans. Et alors? Nerf. Ça va pas, non. J'aurais dû le faire avant. Il y en a qui l'ont fait, hein. J'avais trop la flemme. Il y en a qui l'ont fait, hein. Mais ils ont eu des enfants à 45 ans. Non, mais je peux pas. Là, je suis tranquille maintenant, tu vois, je voyage. Oui, j'ai aujourd'hui mes enfants, ils sont autonomes, alors, tu vois. Il y a la crèche, on dirait ça que ça va. Ça y est, non. Un troisième enfant, ça va pas, non. Elle me ressemble avec les yeux de Michael. Fais-le. Pourquoi 42 ans, ça fait quoi, Zarma? Ça aurait été une bombe atomique. Deux ans. Avec les yeux bleus. Ça veut dire, elle aura. J'en ai fait deux, il n'y en a aucun qui me ressemble. Elle aura 20 ans, tu auras 62 ans. Et alors, c'est jeune. Tu vois, moi, ma mère, elle a 72 ans, j'ai 37 ans. Ma mère aussi, elle a eu mon frère tard. Voilà. Pourquoi?
Il fait comme si c'était bon. C'est le plus beau. C'est le plus beau, ouais. Moi, c'est le plus beau. Mon frère Sofiane, c'est le plus beau de mes frères. Il est trop beau. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi à chaque fois quand on mange un cuic, on a envie de chier après? Ouais, c'est bizarre. Pourquoi? C'est vrai ou pas? J'ai envie de chier. Leur sauce, non? Ah, tu vas pas mettre ça dans ta souris. Je dis, mais pourquoi? On chie pas? Mais ça va pas ou quoi? Mais c'est l'être humain, c'est comme... Non, parce que tu passes par là, moi, je sais. L'être humain, tout le monde chie. Hein. Elle fait exprès de me ramener faire les magasins pour bébé, pour que ça me donne envie. J'aime trop ce magasin, vous savez pourquoi? Parce que ici, je trouve ma taille, même si c'est une taille 5 ans. Elle m'a fait rentrer où il fallait pas me faire rentrer. Là? Ouais. Non, ça très bon, je vais chez moi. Ouais. Ça, c'est bon. Le feu, ça. Ça, c'est... Bien envie de le prendre. Un tout mini. Merci. Tu veux se faire un boucadé? Ça fait longtemps. Mais Bayem, tu meurs, Bayem. J'ai les parfums d'intérieur, moi, Bayem. Regardez comme je suis en train d'emboucaner, Mimi. Je peux pas, moi. Elle m'a dégagé les mêmes. Tu lui prends. Alors, comme si c'était ma fille, elle va s'habiller comme moi. Ah oui. Il n'y a pas à prendre des TN noirs comme ça, vas-y. La crème. Pour souffler ta fille. Ouais, ça ne prend pas. Non, avec tes chaussettes et tout. C'est bon. C'est vrai? Ouais, il y a les chaussettes. Bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir. Il n'y a pas les petites chaussettes vertes? Regardez avec les petites campus. Ces culottes-là. Qui c'est qui se rappelle quand on était petite, comme ça, nos parents nous achetaient les culottes avec les jours dessus? Non, je suis très bien. La vie de ma mère. Je te voyais avec la culotte, par exemple, on était mercredi, tu avais la culotte lundi, ah, tu dis, ah, crasseuse. Ma bien taille. Moi, j'aime trop les culottes comme ça, je suis désolée. Je suis très faible, moi, très fatiguée. Vous avez des pyjamas? Oui, justement, vous. Les pyjamas, j'aime trop les pyjamas de bébé. Deux ans, amour. Ça, je vais... Tu sais quoi, je suis énervée là. Je vais rentrer, je vais mettre mes nerfs sur Michael. Le fait qu'il. Ta mère, tu aurais dû me faire un gars. Une fille. Oh putain, j'ai un peu plus, tu me tues. Je lui fais les couettes. La queue de cheval. Tu vois, une petite tresse. Voilà, comme je l'ai fait. Les couettes, comme j'ai fait hier avec la robe. Je l'aurais démonté. Comme j'ai des garçons, ils sont dans leur chambre. Moi, je lui fais descendre dans le dos, je lui touche les cheveux ou quoi. Vous voyez? Là, c'est vrai que quand tu as des gars... Je sors avec elle, je rentre avec elle. Mais quand tu es à la maison, que tu n'as que des mecs, bah, tu t'ennuies. Parler de trucs de mecs avec leur père. Moi, j'ai hein? Adidas. Ouais. Mais quoi? Avec le petit survêtement Adidas, tu lui mets les petites couettes avec les petites campus vertes. Voilà, c'est bon. Regardez-moi ce manteau, s'il vous plaît, Margiela. Leur size comme ça. Mimi, elle est en train de m'emboucaner pour. On fait comment là? Voilà, je suis fatiguée. Deux grosses victimes. Allez, on est sortis dans le cabana là. C'est quoi ça? Je m'en fous, moi. Aujourd'hui, on me dort, Camille. Une addiction. Hein. Après, c'est pour les enfants. En fait, tu es obligé, c'est la rentrée. Non, moi là, c'était pas pour les enfants. Moi. Là, c'était pour moi. Ouais, là, toi, t'as acheté pour. C'est vrai. Non, il me dit, maman, ça sert à rien, tu vas l'acheter, ouais, je vais pas le mettre. Il m'a dit, j'ai déjà un sac. C'est pas la peine. Et je voulais acheter. Les derniers Nike 9, je trouve des baskets pour Cyril, je vais pas acheter. Moi j'achète rien là-bas. Là, regarde pour ta fille, il y a des méchantes baskets. Je les commande. Mais vas-y, je regarde un Nike. Ouais. No. You know what? Bon, ma communauté, je suis pas encore rentrée, je suis venue faire encore une acquisition là de dingue. Karim, c'est la plus grosse commande qu'on m'a fait. C'est ma plus grosse commande. J'en ai marre, ma communauté, j'en ai marre. Je suis très faible, très fatiguée. Bon, après, j'ai pris pour moi et ma mère, j'ai pris des collections privées Dior. Ils sont très durs à avoir, ceux-là. Je suis très faible, moi, j'en ai marre. C'est bon, je rentre chez moi, je n'achète plus rien. À chaque fois que je dis ça, j'achète. Et j'ai eu le droit à un cadeau. Voilà, une trousse Rare Beauty. Je suis très faible, moi. Non, quand même, je suis très faible, moi. Bon, je crois que je rentre à la maison, là. Cette journée, elle m'aura coûté très, très cher. Non, je peux plus, je suis très faible. Je suis très faible. Si bon, ça va péter les plombs. Mais en fait, ce que je suis en train de me dire, c'est que je lui ai pris des trucs. Je fais comment pour lui dire, tiens, c'est pour toi. J'ai pris. Alors, celui-là, là. Non, non, celui-là, vraiment, vraiment, vraiment. Screené, vraiment. Dinguerie. Genre, il s'est dur. Non, ça, vous allez rigoler. J'ai pris la Chanel.
Alors, je vous ai pris, c'est une poudre matifiante pour le corps. Corps ? Vous savez pourquoi j'ai pris pour le packaging ? Regardez comment elle est canon, s'il vous plaît. C'est une grosse boîte et c'est une série limitée, en fait. Il n'y a pas, en fait. Après, j'ai pris plein de choses. Le Dior, la crème après rasage. J'ai pris mon highlighter. Il a comme ça, Charlotte. Hein ? De chez Charlotte Tilbury. Après, la vérité, ça valait grave le coup parce que voilà, là je paye moins 40%, moins 40 et moins 50%. Donc là j'en ai eu en tout ce que j'ai pris, j'en ai eu pour 760 €. Mais je serais allé au magasin, je les aurais achetés en magasin. Déjà voilà, c'est des trucs que vous n'arrivez pas à trouver des fois. Et si je les aurais achetés en magasin, j'en aurais en tout avec tout ce que j'ai pris pour 2 000 €. Facile. Donc là 760 €, ça vaut le coup quand même. Non. Vous avez vu, heureusement que je ne les ai pas pris. Hein. Elle m'a embauché, je m'appelle. Vous m'avez tous dit ça. Vous m'avez tout. Non, pas du tout, j'aime pas, je vais pas les mettre, je le sais. Ben écoutez, là je vais attaquer Prison Break. Hein. J'ai fini Power. Donc je vais attaquer Prison Break. Ben écoutez. On est d'accord. Oh non, je veux. J'ai mal au ventre. Pourquoi tu fais pas caca? Je vais vous montrer ce que j'ai pris. C'est vrai, je ne vous ai pas montré. Vous savez que des gels douche à rituel comme ça en mousse, ça, c'est une dinguerie. Vous laisse la peau très très douce. J'en ai plusieurs en plus, moi, de ça. Mousse. Trousse Rare Beauty, elle est canon. J'aime trop. J'aime trop les trousses, moi. Trop. C'est trop, ce parfum. Non, c'est trop. C'est trop. C'est bon ou pas? C'est trop. Non, c'est trop. Il sent trop bon. Celui-là, il fait 180 € au magasin. Je l'ai payé 70 €. Très faible, très fatigué. C'est de l'eau de parfum, en plus. Et voilà. Aïe, comment. Avant que vous me demandiez... Alors, les pyjamas, vous savez que je prends tous mes pyjamas à Primark ou à Undies. Voilà, la qualité, j'aime trop. Voilà, il me faut des pyjamas dans lesquels je suis à l'aise, ne supporte pas. Voilà,